génial. Il paraît que les méchants se considèrent pas comme méchants. Mais bon, tu dois bien réaliser. Vous êtes quelqu'un de bien. C'était sympa. Spider-Man. J'aime. Impressionnant. Mais tu n'es qu'un bleu. Tu manques d'expérience. Je suis assez expérimenté pour cogner vos copains. Je suis russe. Mais je n'ai rien à voir avec ces chiens. Mon nom est Sergueï Kravinov. Mais on m'appelle... Kraven le chasseur. J'ai eu votre message. Mais, d'après mes recherches, vous êtes un de ces types qui se baladent à poil dans la forêt en mangeant des insectes pour une émission de télé. En quoi c'est censé m'aider, hein? Tu n'es qu'un enfant qui joue à être un homme. Je peux faire de toi un vrai chasseur. Si jamais tu acceptes, je serai là. Compris? À la prochaine. Oh, pardon, monsieur Jameson, mais j'avais cours. J'ai une vie en dehors du boulot. À mon époque, le travail passait avant tout. Vous ne méritez pas votre carte de presse. Oh, à vrai dire, je crois que cette carte de presse va m'être très utile. Je reconnais que ce serait chouette de sentir que je suis pas le seul à mener ce combat. Mais est-ce que je peux avoir confiance en Kraven ? Kraven ne semble pas connaître ma véritable identité, sinon il serait venu chez moi. Je me demande, je me débrouille mieux tout seul. Mais en même temps, j'ai jamais fait autrement. Si Kraven m'enseigne ses techniques de chasse, je dépendrai plus des communications de la police pour traquer les criminels. Évidemment, je lui dévoilerai pas mon identité, et je resterai sur mes gardes au cas où il décide de me doubler. J'ai jamais eu d'entraînement spécifique pour apprendre à combattre. Les techniques de Kraven pourraient m'être utiles si je venais à perdre mes pouvoirs. Ok, pas de panique. J'ai besoin d'informations sur Kraven et je peux me servir de ma carte de presse. Aucun problème. Sauf que s'il découvre que je suis photographe et pas journaliste, il risque de me transformer en trophée. Monsieur Kravinov, c'est moi, Peter Parker, du Daily Bugle. On s'est parlé au téléphone. Et Monsieur Kravinov? Oh, désolé de vous avoir fait peur. Je suis Kraven.
Pardon pour cette entrée soudaine. Ce n'était qu'une démonstration de mes talents. J'ai regardé vos vidéos sur le web. Je vous ai vu neutraliser ce tigre sibérien à main nue, sans lui faire de mal. C'est une espèce menacée. J'ai emmené ce tigre loin du village pour son bien et pour celui des habitants. Les chasseurs dignes de ce nom cherchent à préserver la nature. C'est là que nous trouvons la paix. Vous êtes bien loin de la nature, ici. J'avais besoin de changement. J'étais venu chasser les monstres créés par Oscorp. Les mutants. Une combinaison redoutable d'animaux et d'humains. J'ai stoppé cette menace. Mais je me suis attaché à la ville. Et la ville s'est attachée à moi. Alors j'ai décidé de rester. Et maintenant, vous chassez des gens normaux? Non. Des criminels. Seuls les hommes qui s'en prennent à leurs semblables ont une raison de me craindre. Cette nouvelle brigade spéciale envoie un message clair, non aux justiciers. Ah, je me méfie d'eux. Ils sont payés par Fisk. Vous avez certainement entendu parler de ces activités illégales. Oui, comme tout le monde. Mais il n'y a aucune preuve. Et la police le laisse faire. Parce qu'il soudoie les éléments véreux. Et les autres font tout pour éviter d'avoir l'air incompétent. Tandis que le public prie pour que la vague de crimes soit endiguée. Je ne veux qu'une seule chose. Des résultats. D'après mon expérience, mes recherches, la police n'aime pas trop les justiciers. La police ne s'est simplement pas montrée à la hauteur. Dommage. Je crois qu'ils n'aiment pas trop qu'on leur rappelle ça. Je ne cherche pas à les insulter. Mais ce serait bien pire d'avoir la capacité d'agir et de rester les bras croisés. Vous n'êtes pas d'accord? Si. Tout à fait d'accord, bien sûr. L'homme est-il vraiment le gibier le plus dangereux? À sa manière, oui. Mais l'homme n'est rien d'autre qu'un animal très évolué. La vague de crimes actuelle me donne des opportunités fascinantes pour l'étudier. J'observe les différentes factions. Et qu'est-ce que vous avez appris? Les criminels ont des points communs avec les animaux. Ils ont des terrains de chasse, des comportements spécifiques. Ils voyagent en groupe. Mais il y a des différences. Du genre? Les animaux tuent uniquement pour survivre. Seuls les êtres humains sont délibérément cruels. Donc votre responsabilité est de mettre vos capacités au service de la justice. Oui. Si je ne faisais rien, je ne serais pas digne de cette puissance que je possède. Merci. Je crois que nos lecteurs trouveront ça très intéressant. Bien, bien. Je dois prendre cet appel. Mais faites comme chez vous. N'hésitez pas à prendre des photos. Oui. Non, des fléchettes tranquillisantes. Non! Les armes automatiques ne m'intéressent pas. Elles sont trop barbares. Je suis un artiste. Le cadrage ne va pas.
pile ce que je voulais. Voilà ce qu'il faut.